reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Le parti de l'union, de la solidarité. Voilà. La campagne bat son plein. Nous ne sommes qu'à mi-parcours, mais les résultats, on peut déjà se dire que les choses avancent très bien. Ce matin déjà, nous avons fait le déplacement sur le collège protestant ville pour assister à un culte. Nous n'hésitons pas à remettre cette élection dans les mains de Dieu Tout-Puissant afin que tout se passe dans la paix, dans la sérénité, comme notre président champion le défend. La campagne se passe très bien. Ce matin, nous étions à l'église presbytérienne paroisse de Avenou depuis 7 heures et nous avons quitté là pour rejoindre les nôtres au niveau du collège protestant, à l'église évangélique de protestants également. Et ça se passe très bien, il y a de l'ambiance. Et le message, c'est les élections. Et nous avons convier tous les participants à cette messe à une élection apaisée, comme veut notre président de la République, que cette élection se passe dans de très bonnes conditions et qu'il y ait la paix autour de nous et dans le pays. Je suis très confiante. Vous avez, je pense que le golf avec ses candidats ont démontré que non, ils sont prêts à aller au combat au nom du parti Unir. Donc on n'a pas peur. Je pense que juste qu'on a démontré pendant cette campagne, je pense que ce sont les autres qui doivent être effrayés. C'est la première fois que le golf va indépendamment de la Guaye aux élections. La préfecture du golf forme une circonscription électorale. C'est très intéressant. On va voir les forces vives d'unir dans le golf. Et ensuite, c'est la première fois qu'on va aux élections régionales et c'est encore la première fois qu'on couple deux élections ensemble. Élections régionales et élections législatives. Donc c'est un grand challenge. C'est une grande victoire pour le président Faure d'avoir réussi à instaurer en fait toutes les sortes d'élections pour pouvoir permettre au Togo de connaître la décentralisation et le développement en même temps. Vous maintenez cette paix. Merci.